Bonjour et bienvenue dans ce unboxing Iker, distributeur sûreté depuis 2008. Nous allons voir aujourd'hui alors un carton plus gros que d'habitude, parce que dans ce carton, il y a pas mal de choses. Le carton que je vais vous proposer aujourd'hui de déballer ensemble, c'est le carton d'un kit qui a été sorti par UNV très récemment. On était la première boîte en Europe à le proposer. Je vais peut-être vous épargner le nom barbare du kit, quoique c'est le kit 301-04LB-P4/4-2122LR3-PF40M-D. Ça va être compliqué de vous expliquer, je pense que je vais l'ouvrir, ça sera plus simple pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce kit? Vous allez voir, on va trouver un produit qui devrait beaucoup vous plaire, qui est adapté à pas mal de marchés. Je me permets de décaler légèrement le carton pour avoir un petit peu plus de place. Voilà, on va retrouver un mode d'emploi rapide en français illustré. On va retrouver quatre caméras tubes qui sont des 21-22 LR3-PF40M-D. Et on va retrouver un enregistreur 4 voix. Terminé. Une alimentation. Un petit mode d'emploi rapide. Alors, c'est un kit complet, hein. Pour ça, il faut être patient. Et une souris USB. Alors, concrètement, à quoi va me servir ce kit? Ce kit, il peut me servir à énormément de choses et c'est ça qui va être super. On est vraiment sur un kit complet. Quand on dit complet, ça veut dire qu'on a quoi? On a l'enregistreur. Dans l'enregistreur, déjà installé, déjà paramétré, j'en ai amené un pour que vous puissiez voir, un disque dur Western Digital de 1 Tera, gamme Purple, c'est spécial vidéosurveillance. C'est garanti 3 ans, c'est fiable, ça peut écrire pendant des années sans aucun problème des flux de données en vidéosurveillance H24. Très bon matos, et ça donc directement installé dans votre boîtier. Pas besoin de le faire vous-même. Donc gros gain de temps et gain d'argent forcément. Ce boîtier, c'est un enregistreur 4 voix avec 4 ports PoE. Ça veut dire que vous allez pouvoir alimenter vos caméras directement par le boîtier. Je le mets ici. Vous avez vos 4 ports PoE. Chez UNV, n'oubliez pas, on est sur du PoE longue distance, 250 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 4 caméras que vous avez ici, je peux les alimenter avec ce simple boîtier. Donc j'ai qu'une seule alimentation pour tout le monde, très simple à sécuriser, très simple à onduler. Et ça, je peux le faire jusqu'à 250 mètres, y compris sur ce petit boîtier. J'ai une prise réseau LAN qui va me permettre de me brancher à la box internet, à partir de laquelle je vais pouvoir me connecter au système. On verra dans les détails un peu plus tard. J'ai deux ports USB, concrètement un port USB pour la souris qui est fournie, bien sûr, un port USB pour une clé USB qui me permettra éventuellement de faire des exports, un port HDMI 1080p de mégapixels et un port VGA. Ce sont des écrans dupliqués, c'est-à-dire que je peux brancher deux écrans mais ils afficheront la même image. Ici, mon connecteur d'alimentation en 48 volts. J'ai simplement à brancher mon alimentation et le système est fonctionnel immédiatement. En termes de boîtier, je suis sur un boîtier en ABS, donc c'est du plastique, mais du plastique très haut de gamme. Alors je sais pas si vous verrez la qualité des finitions, c'est assez impressionnant. Vous n'avez pas de jour entre les différentes pièces, c'est très bien fini, c'est de l'UNV. On est sur un produit, ça devrait plaire à pas mal de monde, sur un produit fanless. Qu'est-ce que ça veut dire fanless? Ça veut dire que je n'ai pas de ventilateur, vous pouvez l'installer où vous voulez, aucun souci de bruit, de quoi que ce soit, vous n'avez pas
l'utilisateur ou le client qui va se plaindre du bruit du ventilateur. Ici, je retrouve un système de fixation pour fixer mon enregistreur au mur. Simplement deux vis à mettre. Je viens clipser. Aucun souci pour un fonctionnement à la verticale ou à l'horizontale. Ici, j'ai un voyant de fonctionnement. J'ai un voyant LAN pour savoir si je suis connecté au LAN. Un voyant avec un nuage, ça correspond au cloud de chez UNB, savoir si le système communique avec le cloud. Et un voyant disque dur pour savoir si des données sont en train d'être écrites sur mon enregistreur. Très très bel enregistreur, très bien fini, compact, silencieux. Concrètement, vous pouvez l'installer sur un particulier, sur un commerçant, sur du petit industriel. Dès qu'il y a un petit besoin pour une, deux, trois, quatre caméras, n'hésitez pas, ça conviendra parfaitement. Les caméras maintenant. Alors, on va pas déballer les quatre, on va gagner un peu de temps. On va se concentrer sur une seule. Donc, c'est les IPC 2122 LR3 PF40M. On est sur du 2 millions de pixels. On est sur une focale fixe en 4 mm. Et on est sur un boîtier en métal. Donc, caméra métal, caméra étanche. Vous pouvez les utiliser dedans, vous pouvez les utiliser dehors. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, je retrouve comme d'habitude chez UNV un petit gabarit, un presse-étoupe nécessaire de fixation à adapter en fonction du support, et je retrouve ma caméra. Donc, en termes de caméra, on est sur une mini bullette compacte, étanche, intérieur, extérieur, on l'a vu. Système de fixation avec câblage intégré, donc pas de possibilité de venir sectionner le câble ou quoi que ce soit. Très très simple à régler. Je dévisse juste cette pièce et à partir de là, ma caméra, je peux l'orienter dans l'angle où je veux, la faire tourner sur son propre axe. Donc je peux la fixer au plafond, au mur, sans aucune difficulté. Une fois que c'est terminé, que j'ai mon angle définitif, imaginons comme ça, j'ai juste à verrouiller et voilà, ma caméra sera fixée. Très simple. En termes de boîtier, on est sur quelque chose de simple mais d'efficace. Vous avez ici une prise pour mettre à la terre, une prise reset, un bouton reset éventuellement, qui ne fonctionne que pendant les 30 secondes où la caméra était allumée. Mon objectif, ici j'ai mes LED directement intégrées. À nouveau, j'ai du smart air dessus, j'ai de la compression, j'ai tout ce qui va bien chez UNV. Voilà pour un aperçu. En termes de connectique, très simple. Alimentation 12 volts, optionnelle. Alimentation RJ45, câble réseau, conseillé forcément, puisque là-dessus, je vais pouvoir envoyer mon alimentation, mes données vidéo, éventuellement certaines métadonnées. Et tout ça, je vais pouvoir le faire jusqu'à 250 mètres de distance. Parce qu'en effet, mes deux éléments, mon enregistreur et ma caméra, quand ils fonctionnent ensemble, j'ai tout ce que sait faire UNV en termes de compression d'image. Donc je gère l'Ultra 265. C'est-à-dire que ce kit-là, il est donné en données constructeurs avec un disque 1 Tera et 4 caméras en enregistrement 24-24. On est donné jusqu'à 20 jours d'enregistrement sur un disque 1 Tera. Imaginez la compression qu'on a. On est sur des caméras en 2 millions de pixels. En termes de longue distance, c'est ce que je vous ai dit, on a du PE longue distance ici, on a du PE longue distance ici. Donc ces deux éléments-là ensemble, on peut faire le PE 250 mètres. Même sur ce kit économique UNV, vous aurez accès à toutes ces fonctionnalités.